Parce que ça, bien aimé, on fait place à la voix de l'Amérique. Comme ça, nous va connaître qui ça qui a fait actualité au niveau international, ensemble avec tout reste détail pour le pays d'Haïti. Jodi a c'est lundi, dernier lundi mois de mai, c'est une tradition ici aux États-Unis côté pays à nation a gain des réflexions sur moun sa yo qui avec uniforme l'armée américaine héros sa yo yo tombé sous champ de bataille. Et depuis jeudi qui s'est passé là, gain ça relé 3e régiment dans l'armée américaine que relé Old Guard qui yo même t'a déposé drapeau américain sous pierre tombale militaire sa yo héros sa yo qui était enterré dans le cimetière national là, il y a Arlington. Mais côté fait ça sorti, qui histoire qui derrière fait ça? Dans quelle occasion que vous avez pris une décision ça? Nous comprenons que pour qui ça les États-Unis mettent en pile accent sous fait ça, qui ça le représentait pour nation? Et nous faisons effort nous-mêmes au niveau VOA créole pour nous parler avec monde qui fait expérience en dans l'armée, monde qui était passé dans l'armée, monde qui dans l'armée toujours. C'est comme ça, gentil Augustin Junior parler avec une femme américaine mais d'origine haïtienne, Robin Mels, qui lui-même est toujours dans l'armée, l'a expliqué nous expérience ça l'a vive et qui ça veut dire pour lui et ben joue ça Memorial Day. Aussitôt qu'on signe un contrat, ou bien vieux pour service payant. Dans le souvenir des soldats qui tombaient sous champ de bataille pendant qu'ils ont défendu le territoire américain, VOA Creole rencontré avec une haïtienne qui a 5 ans depuis qu'elle a servi dans l'US Air Force. Marie-Lé Robin, 16 mai, qui s'est passé, fait moins 5 ans depuis que je suis prêté seulement pour entrer dans l'US Air Force. Et moi, c'est un senior airman que nous sommes capables de dire un E4. Fait choix à l'armée, c'est un contrat aussi pour bailler vie pour protéger l'autre monde qui vit sous territoire ou observé. Mais est-ce que c'est un choix qui est facile pour faire? Au fait, avant que je me rentre, je me prends le temps pour réfléchir à la décision. Parce que je me dis que je peux mourir, c'est juste ça. Quitte son militaire, quitte pas un militaire, quitte mourir sous champ de bataille, quitte pas mourir sous champ de bataille. Nous juste, t'as souhaité que nous mourions avec moins souffrance que possible. Alors, l'heure où aller dans le bootcamp, c'est vrai que vous venez devant les faits par rapport avec ça qu'on voit et qui pas bagarre qu'on voit la télévision. Et mais on pas dans dire tracter. On comprend les vins faire au contraire que moi prend décision hein, que moi prend mission en plus au sérieux parce que si moi vraiment signé avec la vie moi bail la vie pour ça, alors moi capable fait que son bagage qui vraiment de valeur, on comprend que ça a vraiment été vaut la peine que m'étais passé là, m'étais contribué avec les missions. D'après Robin Mels, entrer dans l'armée c'est un contrat aussi un pour bailler la vie malgré tout bénéfice ou qu'a joindre. Je dis hein, c'est jour que nous célébrons, c'est là où il mourit pendant un service. Lorsqu'il y a un contrat, on connaît que ça va arriver. À n'importe quel moment, moi, je souhaitais que ça va arriver. Vous comprenez? Et pour moi-même, quand je dis vraiment ça, au bail, c'est vie, mais au pral, par rapport avec le travail qu'on vient pour faire, le job qu'on vient pour faire, c'est là qu'on peut spécialiser vraiment pour contribuer à la mission. Qui ça, je vous souviens, ça veut dire pour soldats US Air Force là? Est-ce qu'il y a un monde proche li, qui déjà tombé sous champ de bataille là? Pour moi, même jour, ça, c'est vraiment un jour de réflexion. Parce que c'est un jour pour remercier bon Dieu parce que vous avez envie. Et c'est un jour pour penser à si là, qui n'est pas là. Parce que pas avec le même seulement, mais à la famille. Parce que la famille vient contribuer dans le sacrifice à tout. Et jusqu'à présent, pour moi qui proche moi, mais pas une nouvelle de pour moi que me reconnaît. Mais on connaît bien un peu mon corps rencontré, qu'on vient perdre de vie tout, perdre contact avec eux, mais pas connaît. Bah vraiment pour une nouvelle de eux, ça me pas capable de dire sur ça, mais jusqu'à présent, mais pas une qui proche que me perdu sur pendant que en service. Chaque fois que je souvenir ça arrivé, un pile famille replongé dans la peine parce qu'il y a prévivre moment nouvelle la mort petit yo, Mario. Madame yo, yon mam nan famille yo. Robin, gen yon mot réconfort pour famille sa yo. A famille si la yo ki perdu, yon mam famille yo.
pendant que j'étais en service. C'est vraiment un moment que m'a son message d'empathie et de sympathie aussi. Parce que c'est vraiment pas une situation que moi souhaitais même en Pyrénées, puis au frappé n'importe où. Et puis, pour bien annoncer nouvelle que j'ai perdu un membre de la famille, un petit, un mari, un soeur, pendant que j'étais en service. Alors, c'est vraiment un message de sympathie et pour moi dire tout que même si c'est difficile, mais faut que toujours fier. Faut que toujours fier parce que yo même tout d'une part yo contribué à mission. Et assis là yo qui vient entrer, mon parler que yo pensait que pour ça vient en peur pour yo parce que j'aimerais dire je peux mourir, hein, pour mourir tout et mon parler pour yo rater opportunité tout que yo a bénéficié pendant que yo était là. Dans l'année 1971, Congrès américain a été prend décision pour faire journée mémorial là, tourner un jour fête nationale et il était cimenté place li dans calendrier ya chaque dernier lundi mois mai. Date États-Unis toujours utilisé jodi ya. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Toujours sous VOA Creole, on va suivre un programme spécial dans occasion jour souvenir ça. Nous comprenons que dans le programme ça, nous essayons de joindre les gens qui sont dans l'armée, qui sont toujours dans l'armée, tant que jeune dame ça qui est toujours dans l'armée, Robin Mens. Et nous essayons de joindre les gens qui sont dans l'armée et qui jouent aujourd'hui, c'est des vétérans que. Par exemple, il y a Philippe Guibert qui a vécu à New York. Lui-même, il passé dans l'armée et lui-même a une mission dans le pays d'Haïti. Et il y a un correspondant depuis New York, collaborateur en hôpital, Valérie Saint-Louis, depuis New York, tu as rencontré avec Guibert et qui a dit nous qui Jean Guibert a vécu aujourd'hui après carrière que le passé dans l'armée. Et c'est très approprié que nous joignions un monde comme ça dans l'occasion programme spécial. Ça. Valérie Saint-Louis. Philippe Guibert, c'est un vétéran retraité dans l'armée américaine qui t'est servi pour 22 l'année. Jodi a vivre la ville tranquillement dans Long Island, New York, côté que l'y habitait. On quitté l'armée avec un grade de Common Sergeant Major en 1997. Alors, c'est pour me dire tout que et en 1997, l'homme quitté l'armée, était en mission en Haïti. Et ma mission c'était de 94 à 97. C'était pour retourner à Aristide comme président, après avoir laissé Washington. Alors, mission déterminée pour moi, c'était pour créer une force policière que lui-même Aristide te recommandé, te demandé américain faire pour lui, parce que il n'est pas levé l'armée encore. Pour qui ça m'entraîne dans l'armée? Mon cher m'entraîne, lorsqu'il y a 18-19 ans d'âge, il va faire vagabondage, il va aller dans le collège, il va prendre un collège en sérieux, et où on t'y ménage, puis là j'ai mis enceinte. De ma gros ça, vous voyez. So, il dit, bon, je vais dans l'armée pour moi. Alors, moi-même, décidé, bon, je vais dans l'armée pour me finir l'éducation. Philippe Guibert considérait que le gain en pile chance après 22 ans dans l'armée, il songeait quelques moments difficiles. Expérience par moi, c'est son temps qu'on move et puis on a tiré à droite à gauche. Ça fait qu'on a tiré parce qu'il a tiré sur nous. Alors, le capturé sur nous, ou pas, oui, mon capturé sur nous, mais il y a deux fois autant de bruits de balles sous le tank. Là. Tchoum, tchoum. C'est le bagage qui est un peu effrayant, tu comprends? Lui dit nous, qui sa commémoration, jour mémorial là, ici aux États-Unis, vous l'avez dit pour lui? Mémorial de pour moi, pas veut dire même bagage pour un civil. Avant tout, et mission, c'était pour protéger l'United States. Alors, Memorial Day, hein, le, you know, son jour pour comme dit, penser à tout le bagage. On va regarder tout le monde qui est gourmé à côté, tout le monde qui fait une carrière militaire à côté. En pile là, on va parler encore. So, son jour tout pour dire bon Dieu merci, là, on va parce que. Et so, définitivement, c'est en bénédiction, parce que les gens qui font une mission militaire pour 6-7 ans, et puis ils mourent. Ben, so, si moi-même qui a fait 22 ans et puis je n'ai pas parlé avec vous, ben, ça, c'est une bénédiction. Pour Philippe Guibert, 22 années passées dans l'armée américaine, tu apprends en pile. C'est une grande organisation, le military. C'est une wonderful organisation. Je vais recommander pour tout le monde. Tout le monde 18 ans là-dedans, moi-même. Vraiment? Ah, bah, you know, because. Pour qui ça? Eh, mais, you know, I learn from it. You know, les discipline, les préparer pour une vie civile.
li ba ou un standard of living que pour le retraite militairement ou à la vie civile là, yo wè ça nan ou yo wè. Li kenbe discipline militaire là et li conserve uniforme li an intact, yo uniforme que li remet mette avec fierté et avec prestance. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci d'être toujours branché VOA Creole alors que nous avons présenté un programme spécial qui c'est Memorial Day. Nous avons dit que fait ça, et bien, il y a pile aspect là-dedans, il y a pile activité qui traversait fait ça. Et au niveau politique, il y a la Maison Blanche côté que le président lui délivre un message approprié. Mais au niveau social, au niveau économique, il y a pile activité commerciale qui fait, notamment les aériennes, train, bus. Mais il y a tout côté social, le côté que Mounio fait tourisme intérieur, côté que yo al visiter. Par exemple, Washington, qui est la capitale fédérale des États-Unis, il y a plein de monde qui profite à visiter les monuments, à visiter les monuments qui présentent des soldats. Donc, c'est un paquet d'activités. Et côté nous, il y a plein d'activités autour de nous qui montrent que c'est un jour spécial pour les États-Unis. Et dans le moment, ça tout, nous parler avec tout le monde. Et quand nous allons parler avec un vétéran? Yon vétéran qui était dans l'armée, son natif natal, les États-Unis, li était dans l'armée, li passé l'armée, qu'on y a li et pratiquement à la retraite, mais il dit que malgré que l'âge li avancé, li passé plus que 70 ans, mais toujours en activité. Et c'est lui que nous pourrons recevoir comme prochain invité nous dans le programme. Ça, une façon pour nous capable de vivre tout aspect dans le programme, ça, qui tout simplement un programme pour. Et peuple américain qui remet la tradition et laisse à tout à coup nous dire ses familles, amis, ils ont rencontré pour être capable de faire la fête dans l'occasion jour ça. Et qu'on y a, nous allons rejoindre un vétéran spécial ça, qui c'est un vétéran absolument spécial. Tout le monde qui était porté uniforme l'armée et qui était gourmé en bas drapeau américain, en pile importance. On s'est bénéficié d'une admiration spéciale dans la société et dans les yeux autorités qui mettaient sous pied pour eux un paquet de programmes, avantages sociaux, ouverture professionnelle et académique. Et je dis à l'occasion Memorial Day, il y a une pensée spéciale dans la mémoire de tout le monde qui est tombé en bas drapeau américain. Mais il y a qui toujours à vivre et il y a aussi Charles Smith qui a vécu aujourd'hui dans l'État Maryland, ici aux États-Unis. Hi, my name is Charles Smith. Moi c'est Charles Smith, moi j'ai 75 ans, moi fait en 1948. C'est pendant une formation pour sécurité journaliste que nous t'ai gain privilège rencontrer avec Charles Smith, alias Charlie tant que tout le monde relèl, côté il était fait partie instructeur. Nous t'ai découvri que il gain une histoire qui spéciale depuis sous Jean il était entré dans l'armée. I went in the Navy in 1965, right out of high. Moi entré dans l'armée en 1965, l'aime t'est sorti dans lycée, moi t'ai entré dans l'armée. Laisse ça, moi t'ai gain 17 ans et c'est papa qui t'ai cet obligé signer pour moi parce que moi pour côté gain 18 ans. Papa m'était pensé que c'était un bon bagage il t'a fait pour moi parce que moi pas t'a aller dans université dans moment qui donc à l'âge de 18 ans moi t'étais dans camp d'entraînement dans formation et moi sorti lauréat compagnie moi t'étais leader t'ai demandé si m'étais voulait volontaire mais papa m'était dit l'arrivé dans l'armée pas porter volontaire pour rien mais moi t'ai porté volontaire quand même et finalement moi t'ai allé dans Little Creek en Virginie. Je t'ai fait commencer. Moi t'ai dans classe 22 qui c'était équipe démolition sous-marine. Instructeur mio t'ai sorti dans deuxième guerre mondiale en Corée. Had just started UDT. I was in class 22 which is the underwater demolition team. My instructors were from WW2 in Korea Wars. Charles Smith fait un paquet de missions et il participait dans une guerre qui est très célèbre, par exemple Vietnam. Et je ne dis pas, il est un vétéran, il est à la retraite, mais il songe l'expérience. I am a Vietnam vet. I did two tours. Moi, c'est un vétéran dans Vietnam. Moi, fait deux tournées dans Vietnam, 1968 à 1969. Moi, t'es allé à Panama, dans le même moment, nous t'es mis tes mains sur Noriega. Il veut parler de l'ancien président panaméen, Manuel Antonio Noriega Moreno. Moi, t'es allé tout dans Grenade. Et c'est dans la même époque ça, moi, t'es pris en retraite. Moi, dans l'armée, c'était en 1991, après 31 ans de service.
Charlie font paquet expérience sous champ de bataille côté même il était blessé côté il était prend coup donc il passait en pile martyr sous champ de bataille. Jodi a Charlie à la retraite c'est vrai mais il toujours continuer rester en activité la bail service li plusieurs côtés. Currently a self-employed contractor with Homeland Security. Actuellement là, moi c'est contracteur indépendant dans le département sécurité intérieure. Moi dans un pile programme formation à travers service secret américain. Moi participe dans formation journaliste international dans question sécurité. Nous devons préparer journalistes qui a voyagé à l'étranger. Moi travaille pour agence intelligence défense. Moi j'ai un pile contrat. Moi veux travailler. Moi veux profiter de la vie. Moi veux rester occupé même si j'ai 75 ans. Mais moi senti j'ai 48 ans. I'm enjoying my life. I have to stay busy. Even though I'm 75, I feel like I'm about 48. Charlie vit actuellement là avec madame ni dans état Maryland ici aux États-Unis et il gagne un petit garçon. Vie sentimentale li tout gagne un aspect particulier surtout Jean li était marié. Li c'est un croyant et li parlait avec passion de famine directement ou bien famille élargie. I have a son. I have one older brother. Moi gen yon petit garçon, moi gen yon grand frère et moi te gen trois sœurs. Et grand frère m'lan toujours là, même gen deux sœurs m'pèdi yon qui était plus grand avec yon qui était plus petit pendant Covid là. Qui donc moi rete seulement yon grand frère ak yon petit sœur. M'ap viv ak madame mwen, nous deux sœurs là. Nous te à l'école ensemble, moi te nan 12e et li même il était dans 11e. Moi te gen yon l'année sous li, il était dans même classe ak petit sœur là. Qui donc li même ak petit sœur là, c'était bon partenaire, bon ami et li était ti ménage. L'aime pour aller Vietnam, moi te dis, moi pas connais si m'a tourné. Mais moi dis que pour lui faire ça le quoi qui bon. Elle te dit m'la écrit chaque jour. Et moi te apprendre que il t'écrit chaque deux jours et moi gagne qu'on y a une gros valise lettre. Oui, moi marié depuis 53 ans avec ménage jeunesse moi et nous te remet depuis nous te l'école, nous gagne 53 ans mariage. And I still have a pack of letters that I keep up in the attic in my foot locker. Oui, Charlie c'est un vétéran avec une histoire spéciale comme militaire, comme papa, comme mari, comme croyant. C'est une histoire qui mérite partager. N'a retourné sous lit dans l'autre occasion. Nous t'ai déjà dit nous que Memorial Day là sont fête qui gon paquet aspect la donne. Et premièrement nous dit nous que c'est une fête qui gon aspect familial côté que moun yo déplacé famille à rencontre famille zami à rencontre zami ancien condisciple de classe yo fait ça les classe réunion moun qui était l'école ensemble yo réuni dans jour ça pour capable fêter yo manger ensemble yo fait fête et même gain compétition sportive que yo fait et ça provoquer tout en pile déplacement et train bus et avion. Et Jean-Robert Philippe dit nous que année ça est absolument exceptionnel en termes de déplacement, en termes de dépenses tout qui fait parce que déplacement yo, eh ben yo vini avec dépenses. Moun qui voyage sorti non état à long lot, que c'est avion le point, que c'est train le point, que c'est autobus, eh ben gagne et un aspect économique là-dedans. Donc son fait qui gagne aspect social, économique, politique et le reste. Et Jean-Robert Philippe a dit nous plus. Aéroport ensemble avec autoroute américain yo a rempli avec voyageurs week-end ça en occasion week-end fête jour du souvenir là qui c'est un long week-end côté américain à passer fête avec famille yo. Association automobile américain AAA qui gagne presque 20 ans depuis la observé tendance voyageurs yo déclaré ces périodes côté gagne plus activité sur autoroute avec aéroport américain yo qui c'est tout commencement saison été a. Aïk Sadias, porte-parole association, a déclaré, nous croyons fête du souvenir année 2024, là, c'est pas le deuxième week-end qui gagne plus d'activité avec voyage dans l'autoroute, au Cap Bat, un nouveau chiffre record avec plus passé 38 millions de voyageurs qui ont voyagé dans la machine. C'est pas une grosse saison voyage tout. Pas seulement week-end fête du souvenir, non, mais tout pendant toute saison été à. Nous croyons que c'est une indication ça qui pourrait passer dans mon cap venir là. L'administration sécurité transport américain fait qu'on est capable de gagner 3 millions de voyageurs qui utilisent l'aéroport vendredi 24 mai. D'après un échantillon, les aériens américains ont espéré transporter un chiffre record passagers pendant la saison été.
groupe commercial là estimé quantité monde qui capable voyager sorti 1er juin pour arriver 31 août et bien capable arriver jusqu'à 271 millions passagers, ça a battu un record comparé avec 2023, les chiffres là 255 millions voyageurs. Paul Triple A, Aix Adias continue pour dire aéroport chargé avec passagers pendant week-end Memorial Day, et bien ça n'a pas observé qu'on est là pas gain en pile siège qui disponible dans vol lieu encore comme ça en pile monde profiter voyager puis bonheur puis faut voyager pour utiliser autoroute pour voyager d'après projection Triple A fait bien plus passer 43 millions voyageurs à voyager sur une distance au moins 60 km sorti la caillou en jeudi à lundi candidat ça représenté 4% en plus Club automobile là avec compagnie assurance te prédit en 2023 et qui presque égal avec plus gros projection yo te fait en 2005 les chiffres là te 44 millions Aixa Diaz a poussé pour dire Floride toujours été une destination qui plus populaire pendant long week-end comme ça à cause plage parc d'attraction yo mais tout port croisière yo qui dans sud Floride central Floride gain temps partout c'est une autre destination populaire Las Vegas c'est une grosse destination week-end fête mémorial là tout Denver prend jarret dans popularité pour week-end fête yo moi crois gagne l'autre monde qui seulement remet sorti quitter caillou pour aller dans la nature ou les priorités en dans caillou là surtout après période pandémie parc national yo constaté une augmentation visiteur sans oublier ville New York avec ville Boston Avec ça, Diaz finit pour dire, en général, agent New York commence à observer une autre tendance. Il y a plus de voyager tout qu'à voyager en famille, tant qu'il prend une réunion familiale avec anniversaire. Nous commençons à voir gros chiffres ça, que nous parlons depuis environ 20 ans, que nous avons observé Memorial Day ou bien fait jour du souvenir. La dernière fois, nous avons vu des chiffres comme ça, c'était en 2005. Là, on a parlé de pandémie. Nous référons avec chiffres qui existaient avant la pandémie. Mais nous avons déjà dépassé chiffres avant la pandémie. Donc, ça dit en pile sous façon population à considérer voyage jeudi et jeudi. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Mesdames et messieurs, c'est avec les dernières mises à jour ça sur record qui gagne dans la question de déplacement voyage dans l'occasion Memorial Day là que Jean-Robert Philippe souhaite présenter nous. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te présenter au programme spécial ça. Et nous content de ce que ça toujours fait plaisir, même gens ça fait nous plaisir de ce que nous te fait programme là. Et nous disons merci pour attention, merci tout pour fidélité à VOA Creole. Nous voulons remercier toutes les collègues nous qui ont participé dans l'élaboration et programme là, notamment Sandra Lemaire qui est chef service là, Valérie celui depuis New York, Jean-Robert Philippe dans Washington sans oublier gentil Augustin Junior avec tout l'autre invité que nous te gagne dans programme là sans pas oublier et monsieur Technique en parlant de Jean-Marc Hervé Abela, gentil Augustin Junior et puis monsieur Fred Kaimit. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te présenter au lit. Moi c'est Jacqueline Bélizère qui était content de présenter au programme ça et n'a pas cassé rendez-vous pour un autre programme spécial encore parce que ça rentre dans la tradition nous depuis qu'un bail spécial nous présente au bagage spécial nous présente au programme spécial parce que tout simplement où c'est des auditeurs téléspectateurs spécial Kembela Palagé c'est en production VOA Creole la voix de l'Amérique n'a pas mettre depuis Washington DC Moi je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Moi pour aller m'a quitter on a bras papa bon Dieu parce que c'est lui même celle qui est capable protéger moi la vie avec la santé. Bonjour bonsoir tout le monde. Non pas me c'est fou qu'on rendez-vous casser demain matin. Bisous bisous and love.